Alors, je sais plus exactement. Ok, il y a celle-là, celle-là. Mais en fait, c'est de la merde son truc. Parce que si à chaque fois que... Attends, je vais essayer un truc. Attends. On va sauvegarder quand même. Je vais peut-être aller soigner mon Rookool. Mon Gravalanche. On ne sait jamais. Si par exemple j'ai besoin d'ampleur ou tout ça et qu'il m'en manque un ou deux, ça peut être problématique. Normalement il a que des Pokémon électriques. Enfin que. S'il a... comment ça s'appelle? J'allais dire un Evoli. Un Magnéti, voilà. Il est, je crois, électrique acier. Mais voilà quoi, il devrait rien avoir de... Bon, on va re-sauvegarder avant de lui parler. On ne sait jamais. Allez, go! Oh là là, il veut faire la bagarre. Ah, il a 3 Pokémon. Ok, Voltorb. Ah, je pensais qu'il allait avoir un Magnéti. Ampleur. Au revoir. Non.
Reflet, ok. Si tu veux. C'est pas un truc qui te vise toi, donc... Vas-y, charge. Ah ah. Ah, mais j'aurais peut-être pas dû faire ça. Je l'aurais pas fait une charge. J'aurais pu faire un combat sans sans qu'il me touche une seule fois. J'aurais pas fait une charge. J'aurais one shot Major Bob avec un Pokémon quoi. Ouais. C'était 34. Onde de choc. Ouais, normalement c'était l'attaque phare de tes Pokémon. Mais bon, ils ont pas eu le temps de l'utiliser. Désolé. Je réfléchis. Où est-ce qu'on va maintenant? C'est ça la question. Où est-ce que l'on va? Parce qu'il me semble que tout au bout, il y a Ronflex. Donc on peut pas aller par là. Bon, mon Gravalanche, il est bien, mais bon. Oui, il y a un papy. Ok. Alors, passer par la caverne Topiqueur, ça serait possible. Mais il y a rien. Je vérifie, je regarde. Hein. Je crois que c'est le parc Safari là-bas. Parc Safari. Je peux utiliser coupe, oui. Je peux soigner mon Gravalanche. Réfléchis. Mais pousse-toi, j'ai mon vélo, pousse-toi. Oui, il semble que là, je peux pas revenir en arrière. Je crois que j'avais un objet à choper avec coupe par là, je crois. Ah non. J'avais réussi à le choper parce qu'en fait, j'étais venu là. Il a avancé, j'ai pu faire le tour derrière lui. Hey, je me souviens. Okay. Je réfléchis, hein. Parce que je sais que tout la dernière fois, on avait passé par la grotte Topiqueur et on était bloqué par parce qu'on n'avait pas coupe.
on peut passer là. Bonjour. Alors, je suppose qu'on va arriver dans la montagne, donc faudrait un Pokémon haut. Ah, mystère. Oh, ben ça va. Vu que Reptincelle, il a besoin de monter en levier, en level. Ah, poudre de dos. Ouais. Mouais. Vas-y, je dors, je dors. Doux parfum. Je crois que c'est un truc pourri, ça. Ouais. Et c'est quand que t'as fini de me... Parce qu'au moment où il se réveille, tu vas prendre cher, en fait. Tu vas tellement prendre cher. Ok. Chitifleur. Ok, t'as que des Pokémon plantes en fait. Mon Reptincelle, il va s'amuser. Ça faisait longtemps aussi qu'il s'était pas amusé. Oui, t'as deux mystères, deux chétiflores, quoi. C'est bien beau, mais bon. Un chétiflore, ça peut être rigolo, mais vite, rapide. 5 minutes, quoi. Aéropique. Viens prendre ta pâtée, mais bien sûr. Toi, t'as l'air d'avoir des machocs. Ouais, il a une tête à avoir des machocs. Ouais, mais c'est bien gentil de sortir des mains. Un Onyx. Je pourrais sortir mon... mais bon. C'est pas très efficace, mais voilà quoi. Ça, c'est efficace, en tout cas. Gagner un montagneur, c'est bien. Je vais peut-être changer tout de suite l'ordre de mes Pokémon. Reptincelle, ouais, 26. C'est quoi ici? Azuria grotte. Bonjour. Ah bah moi je dis bonjour à tout le monde. Tu es un campeur. Tu es un caninos. Moi j'ai un Reptincelle. Ah, ok. Au singe. Ouais.
Ah, c'est toi qui l'as voulu qu'il vienne, hein. Tu t'en prends qu'à toi-même, hein. Non, vas-y, il me sera salamèche, oui, comme ça. Salamèche! Attends, salamèche niveau 21? T'es sérieux? Mes cocons de Pokémon me prennent beaucoup de temps. Ah, tu as que des cocons? Dardagnan. Tu es quand même un insecte, hein. Tu peux prendre feu. Je veux pas dire, mais bon. Ouais. Je suis un peu déçu par ce combat, mais bon. Grâce à lui, j'ai gagné un niveau. Ah bah oui, t'as perdu du temps, là. Un ratata. Ah, j'ai eu peur qu'il me tue, quoi. Y a pas autre chose que des ratatas ici, ou... Un abo. J'en ai déjà. Je vais prendre Nidorino, parce que, en tant que Pokémon poison, j'ai moins de risques de me faire empoisonner. Ligotage. Tiens. Mais laissez-moi partir. Vas-y, je vais lui casser la bouche. Je vais lui casser les jambes. T'es un ratata, quoi. Voilà. Bon. Boudoum. Il ressemble à un montagnard, donc il doit avoir encore des Pokémon dans un caillou. Okay. Je crois qu'ils aiment pas les combats. Lance-boue. Ok. Point karaté dans ta bouche. Non, pas Onyx. Au revoir, Onyx. Bon bah mon ferro-singe a encore gagné. Anti-brûle. J'ai rien contre, hein, mais bon. Un anti-brûle. Pokémon insecte. Tu en as trop. Chenipan, crise acier, papillusion. Un chenipan niveau 20.
Non mais il est sérieux quoi. Ah, Naspico, ok. Ah, Mimitos, oh. Je crois que c'est la première fois qu'on rencontre un Mimitos. Il y a l'avant-ville par là, donc, ça veut dire. Tu es un campeur. Tu es un ratata. J'ai pas envie de faire du des gros combats. Hein. Il va faire... Il va faire point karaté, et puis yolo, quoi. Ah, quand même. C'est une question de point de vue. Non, change pas, ça va être. Vas-y. Point karaté dans ta bouche aussi. Ah, je pensais que ça allait être plus efficace, point karaté. Bon, bah, on lui pète les pattes. Hein. Ah, c'est moins efficace. Ouais, un sablette. Vas-y, Nidorino. J'essaie de faire combattre un peu tout le monde hein, de temps en temps. Quand je peux. J'essaie de trouver des trucs. Le combat, ça marche pas. Donc, vol peut-être. Ouais. Parce qu'il est sol en fait. C'est un Pokémon sol. Faudrait de l'eau. Bah voilà. Moi qui voulais l'empoisonner. Abou, non, vas-y, garde Abou. Oui, vas-y, intimidation. Oh là là, ah, je perds un point de vie. Ah non, mais voilà quoi. Espèce de campeur quoi. Un canino, ça pourrait être sympa, mais j'ai déjà un Pokémon. Ok, des ratata. Ah oui, j'avais pas fait attention au ferro-singe aussi, il était. Non. Vas-y, on prend la fuite. T'as pas autre chose que des ratatas à me proposer? Un piaf avec. Encore un montagnard. Un racaille. Moi aussi j'ai un racaillou, mais un gros racaillou. Ampleur 7.
Tu veux qu'on joue à Ampleur? Moi je fais Ampleur 8. Ah bah alors? Je croyais que tu voulais qu'on joue. Oh, Reptincelle est monté. Bon, vas-y. Ampleur 9. Ampleur, c'est très efficace quand même, hein. Machoc, non. Ampleur 7. Je sais pas comment c'est déterminé, mais voilà quoi. C'était peut-être pas très efficace, mais au moins ça la one shot quand même. Faudrait que je retourne quand même au centre Pokémon. Hein. Ah ah! Traite-moi avec respect. Mais je te connais même pas! Pique-nique! Un miaouf! T'as de la chance que mon férossage il est occupé parce qu'il t'aurait pété les genoux comme à tous les miaous. Ah parce que mon férossage il déteste les miaous quoi, il leur pète les genoux. Ok, c'était pas forcément ça que je voulais faire, mais bon. L'idée était là, quoi. Attends. Moi, je vais aller au centre Pokémon. Voilà. On va soigner quand même, hein. Je sais plus si je sauvegardais juste après le badge. On va quand même sauvegarder. Ok. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que ça serait pas plus simple... enfin, plus simple. Ça serait pas mieux de partir par... par la grotte Topicker, revenir à la première ville. Je suis en train de me demander. Parce que la grotte... Attends, si je prends la carte... Là, Safrania, je peux pas. Il me dit, faut que j'avance vers la grotte 10, la centrale, et la tour Pokémon avec l'avant-ville. Je crois que je peux pas aller à Celadopol pour l'instant. Parce que c'est à Safrania. Et on peut pas aller... On peut pas aller à Safrania pour l'instant. Carmin-sur-Mer. Cave Topicker. Oui, j'arriverai là avec la Top Calf Topicker. Est-ce que j'aurais besoin d'aller à Argentin en fait? Bon, c'est limite. Azuria.